nombre de messages concernant ce dépôt ferroviaire transformé est en hausse constante. C'est un site crucial pour étendre la portée des séparatistes en leur permettant de frapper plus loin et plus vite. Est-ce qu'on sait à quoi s'attendre ? Non, si ce n'est que ça pourrait bien leur permettre de remporter la partie. C'est pour ça que vous allez devoir vous infiltrer sur place pour récupérer le manifeste de la cargaison. Nous devons savoir ce qu'ils attendent, qui les leur envoie et pourquoi. Merde, moi qui espérais un joli feu d'artifice. D'après nos renseignements, les séparatistes ont un stock important de carburant dans plusieurs camions-citernes sur le site. Assez pour tout faire sauter apparemment. Y a plus qu'à allumer tout ça alors. Il suffirait d'une étincelle, et vous ? Vous êtes un putain de chalumeau. Je ferai de mon mieux, terminé. Je suis en place. À vous. Parfait. Les documents doivent se trouver au dépôt principal.
tire dessus. Tire ennemi à proximité. Dispersez-vous. C'est bon, j'ai les documents. Bien reçu. Maintenant, faites couler l'essence des wagons citernes. J'ai perdu la cible. Elle est là, quelque part. Au rapport. Oh merde, c'est l'un des nôtres. On a perdu un homme. Bien compris. Attention, possible mouvement ennemi. Il est là! Force! J'ai la cible dans mon viseur! Je tire! Ennemi en visuel! En position défensive! Ok, l'essence coule. Restez en position défensive.
Station est dégagée. Bien compris, reprenez votre patrouille. La deuxième vanne. Il va faire chaud quand vous aurez allumé votre petit feu. Alors éloignez-vous suffisamment avant de craquer l'allumette. Yeah.
Provenant de ? De Russie. Les notes manuscrites de David mentionnent un certain Flostov. Une des têtes de notre serpent à deux têtes. Oui. David et Thomas, les pires chefs des séparatistes. Quant à leur cellule, on pourrait lui donner le nom de code Cancer. Et ce Flostov, c'est qui ? Un russe ? Oui, c'est un savant. Et c'est là que ça devient intéressant. Dès que le nom de Flostov est sorti du chapeau, le Mossad a commencé à jouer des muscles. Apparemment, nos amis israéliens recherchent ce type, eux aussi. Et pas qu'un peu. Et le Mossad va nous aider ou nous gêner là-dedans? C'est ce que vous allez devoir découvrir, John. Vous avez une rencontre de prévu dans une région proche. Un territoire neutre. Si tant est que le terme veuille dire quelque chose dans le coin. Je vais voir ce qui se trame. Autre chose que je devrais savoir? Non, John. Désolé. Rien de neuf concernant Robert. Putain, fais chier. Il est où, bordel? Le connaissant, il se cache au nez à la barbe de tous, l'enfoiré. C'est un pro. Et c'est ce qui devrait lui permettre de rester en vie. Je fais de mon mieux, John. Je sais. C'est d'analyser tout ce qu'on a sur David et Thomas Sidamonitz. Obtenez des renseignements sur ce Flostov. Oh, et essayez d'être sympa avec l'agent du Mossad. Seulement si le Mossad est sympa avec moi. Terminé.